tout le monde! Ben, content de me revoir! Parce que moi, je suis contente de refaire un vlog. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. En fait, je crois que ça fait plus qu'un mois. Donc, c'est ça. Allô! Ce matin, j'ai allé me chercher un petit vanille française. Puis, on s'en va faire un petit tour à la campagne, là, comme d'habitude. La belle, elle vient de vous dire qu'on va vous montrer des animaux sauvages, mais ça va être seulement si on en voit, bien entendu. Mais c'est un temps assez clément à l'extérieur, je dirais qu'il doit faire environ moins 5, ce qui est relativement bien, considérant les dernières températures qu'on a eues ici au Québec, qui étaient très froides. Donc on va espérer que ça se réchauffe quand même un peu plus aujourd'hui et que ça fasse fondre de cette neige, ce serait vraiment génial, mais bon. Fait que c'est ça. Des niaiseries de la patate. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Flo? Ah, tu dis des niaiseries, là? Fait que c'est ça. On va faire un petit tour. Puis si jamais je vois des animaux, ben j'essaierai de filmer ça, là. Moi, j'adore la nature. Fait que c'est sûr que si je vois un chevreuil ou des perdrix ou des. Être sauvage, c'est sûr que je vais vous filmer ça. Sinon, ben, on se reparle plus tard pour être quand je vais rentrer chez moi. Donc samedi, c'est un petit dîner sur le pouce, la soupe aux légumes que maman m'a faite, avec du fromage puis des petits bâtonnets de sésame. Voici! C'est pas mal ça. Alors, je suis en train de défaire mon lave-vaisselle, de le vider en fait, et comme d'habitude, je fais 56 affaires en même temps. Fait que ce que je fais le soir, c'est que je remplis tout mon lave-vaisselle, puis après le souper, je le pars, je fais ma vaisselle de la journée au complet. Et après ça, je fais les bains, puis le bureau des enfants. Donc, là, présentement, je suis rendue à l'étape de vider mon lave-vaisselle. Parce que je ne l'avais pas encore vidé aujourd'hui. Fait que je le vide, je le remplis. Puis je suis en train de faire aussi mon souper, qu'on va manger des spaghettis. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire. Donc je mets ma sauce là, puis là, c'est un coup gelé. Fait que c'est pour ça que je l'ai parti un peu d'avance, il est 4h. Mais c'est ça. Puis habituellement, on s'ouvre vers 4h30, 5h. Fait que c'est ça, je suis en train de faire dégeler ma sauce. Puis là, la semaine passée, on a eu la grippe, ok? Puis quand je respire, là, ça fait comme un ciment là, fatiguant. Je sais pas quoi faire. Hello, hello! Alors, jour numéro 2. J'ai pas terminé mon vlog hier. Je m'en excuse d'ailleurs. Je reviens de l'épicerie, donc je vais vous montrer. Qu'on a acheté à l'épicerie, mais je suis allée aussi à la bouchère à la boucherie de mon village. Là. Fait que j'ai pris du fromage Kinsey en meule, qui est trop bon. Ça fait squick en bouche. Ensuite, j'ai pris des tranches de jambon forêt noir parce que j'aime ça. Forêt noir, miam miam! Ensuite, j'ai pris des beignes maison, comme si. Fait que ça va être juste une petite gâterie là, pour la fin de semaine. Là. Ensuite, j'ai pris des fraises. Ensuite, on a pris des pommes. Des pommes vertes, les Granny Smith, les meilleures. J'ai pris deux cannes de soupe aux tomates, comme ceci, pour faire des recettes avec ça. J'ai aussi acheté un ananas. Et aussi, on a acheté des citrons et des oranges. J'ai acheté deux citrons. Ça, c'est des tangerines au miel. Et c'est vraiment délicieux. Puis, je suis vendue. Et ça? Deux limes.
une petite ligne. J'ai aussi pris deux trucs de bord. Une, que c'est des bartons de Val Nature, fruits et noix. Fait que raisin sec, amande, arachide et canneberge. Puis l'autre, c'est les croquantes là, au beurre d'arachide parce que je les aime vraiment beaucoup. Ça, c'était le premier sac. Voilà. Maman! Ensuite, j'ai acheté un pain multigrain comme ceci. Puis ça, ça vient du Maxi. Là. C'est les pains qu'ils font là-bas, mais ils sont trop, trop bons. J'ai acheté ça. J'ai acheté des raisins rouges. J'ai acheté deux patates sucrées, là, comment t'appelles ça? Patates douces. Comme ça, j'ai acheté une courge butternut. Ouais, une courge musquée. Comme ça. J'ai acheté une banane, puis là, il n'y en avait plus des bio, fait que j'étais un petit peu déçue. Mais bon. C'est quoi des bio? Les bio, c'est ceux qui ont été. Poussé sans pesticides et tout le temps. Ensuite, j'ai pris des petites patates à déjeuner comme ça pour faire plus rapide parfois. J'ai aussi pris un mélange sauté style yin-yang, là, les légumes congelés, comme ça. J'ai pris des fruits congelés Welsh. C'est vraiment les meilleurs, honnêtement. Comme ça. Puis j'ai pris des asperges congelées parce que c'était moins cher que les fraîches, puis je vais essayer de faire maman, c'était pas ça, c'était des oranges! C'est des tangerines, ça. Ensuite, pour aller avec mon petit pain, puis mon potage, ma crème d'asperges au fond. Je vais goûter à ça, maman. Du pâteau fines herbes, comme ça. Maman, je vais goûter. Ok, est-ce que tu pourrais mettre ça et ça dans le frigo, dans le tiroir? Ok. Puis ensuite, j'ai pris des clémentines qui étaient en rabais. Et du jus d'orange avec pulpe, parce qu'on prend avec pulpe chez nous. Donc c'est tout ce que j'ai acheté. J'espère que vous avez bien vu, parce que j'ai fait ça vraiment vite là, mais c'est que Étienne il doit se faire allaiter. Puis là après ça, il faut que j'aille chercher Florence à la pré-maternelle. Fait que... Allô Olivier! Allô Gaza! Tu dis allô? Oui, allô. Allô. Wow, tu vas tomber là. Attention, hein? Il peut attacher ton bain là. Et si elle est souris? Souris? Souris photo! À moi! Toi Florence, souris-tu? Florence, elle a fait une sieste cet après-midi. Et puis bébé a l'habitude de faire des siestes. Oui. Elle est en train de se faire une clémentine, hein Florence? Excusez, j'ai pas filmé de l'après-midi. Puis en fait, je pense que j'ai pas dîné. J'ai pas filmé mon dîner non plus. Je suis comme tellement. Bon. Je suis comme tellement plus habituée de vlogger, honnêtement. Ça fait bizarre. Je suis là. T'es là, enfin. Mais c'est ça, cet après-midi, au fond, tout le monde dormait, sauf Annabelle. Donc, j'ai fait un petit peu de ménage, comme dans mon bureau, si on veut. Puis, Annabelle, elle m'a fait les ongles. Elle m'a fait les ongles d'orteil. Elle m'a verni les ongles d'orteil. J'ai mis une photo sur Instagram. Puis, j'ai fait les siens aussi. Elle a fait ses orteils, puis moi, j'ai fait ses doigts. Puis là, elle a rajouté de la couleur dessus, ses doigts, sans me demander la permission. Pour que ça soit encore plus beau. Puis sinon, ben j'ai fait des changements dans les vêtements d'Étienne. J'ai enlevé tout ce qui était trop petit, puis j'ai rajouté les nouveaux vêtements pour la nouvelle grandeur qu'il prend. Mon petit gars, déjà 19-12 mois, ça n'a pas d'allure, ça passe trop vite. 12 mois? Ben oui, même s'il y a juste 6 mois, là. Prend du 12 mois, 9 ou 12 mois. Fait que c'est ça. Là, il est 4 heures moins quart. Fait que je m'aligne sur ce que je fais à tous les jours vers cette heure-là, c'est-à-dire vider mon lave-vaisselle, vider mon sèche-vaisselle, puis m'aligner sur le souper. Déjà. En tout cas, je crois. Fait que je pense que je vais faire des crevettes avec du riz, puis de la salade, César. Ça va être pas mal ça. Fait que je m'excuse, j'ai pas vlogué plus, j'aurais dû, ou juste d'affaires. Mais bon, j'ai comme tellement rien de prévu que je fais juste faire les trucs de la maison. Je me sens un petit peu robot en ce moment. C'est assez...
Je suis fatiguée. C'est vraiment difficile. Mais bon. Fait que c'est ça. Je vais m'aligner sur ça. Puis je vous parle tantôt. Donc voici mon souper. Ça va être bon. Bon, alors j'ai fini de faire ma vaisselle. Puis là, il me restait des trucs à laver. Mais bon, je savais pas. Fait que tout est là. Puis là, je lave mon four. Juste la table à boules à débarrasser un petit peu plus. Puis à passer une guenille. Comme vous voyez, je passe la balayeuse après tous les souhaits. Hein? Parce qu'il y a un petit garçon qui fait beaucoup de petites graines par terre. Puis là, je pense qu'on va aller faire beau, le petit garçon là. Le petit garçon. Puis je vais aller faire prendre un bain des enfants. Que c'est vraiment relax aujourd'hui, hein. Je m'excuse, là. J'espère que ce sera pas trop plate pour un vlog de retour, si on veut. Mais bon. Ouais. Petite journée tranquille. T'es beau. Tu vas vouloir prendre la caméra, hein, toi? Ok, oui. Tu peux pas la manger, là. Tu peux pas la manger, mon amour. Ok, fait qu'on s'en reparle tantôt.